D'une part, on est content, d'autre part, on n'est pas content. Parce que dire que les accusés vont nous indemniser, on n'est pas d'accord. On n'est pas content de ça. L'État doit prendre ses responsabilités, le tribunal doit prendre ses responsabilités et nous lançons un appel à la communauté internationale. L'air est grave, protection des victimes et sécurité des victimes. Parce que nous, on ne peut pas attendre les accusés qui sont en prison, ça jamais. Il y a d'autres ici, aujourd'hui, nous, il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres qui ne gagnent même pas leur vie ici. Pour maintenant, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et faire vite les choses parce que tout le monde voit les tensions qui se passent en Guinée. Et nous lançons un appel aux autorités qui sont là de prendre leurs responsabilités. Amen. Et nos destins sont dans leurs mains. Et nous voulons nos protections et sécurité des victimes. Ça, vraiment, on en a besoin. Et il y a d'autres qui sont malades aussi. Le pain rendu, on est des Guinéens. Nous, nos souhaits, c'est de venir à la justice. C'est une victoire d'ailleurs. Réqualification des faits. On n'attendait pas à ça. Si on a dit crime ordinaire, ça, on avait un peu. Mais réqualification des faits. Crime contre l'humanité. Toute personne qui fait des crimes ici, il connaît maintenant. Ce pays est là. Ce pays est là pour les dirigeants qui n'ont pas des oreilles, qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas d'âme. Ce pays est là. Toute personne qui brutalise, qui viole, qui frappe leur peuple, il viendra à la justice. Ça, on est là et le combat continue jusqu'au bout. On ne va pas reculer. Nous, on sait qu'on n'est pas en sécurité, on n'est pas en protection, nous lançons un appel à tout le monde de venir en aide pour les victimes qui sont malades.